Hey! Cette vidéo a été possible grâce au programme EA Game Changers et je les remercie énormément de m'avoir permis d'utiliser une version test de Vie à la campagne en extra avant-première et bien sûr, vous, puisque c'est grâce à vous que je peux faire cette vidéo également. Aujourd'hui, comme vous l'avez compris, on va tester les morts. Là ou les morts? Il me semble que en jouant et en faisant un petit peu un clic... Un misclic, j'ai cru comprendre qu'on pouvait mourir de deux façons grâce à cette nouvelle extension. Et donc, on va l'essayer maintenant. Voilà, les voici, ils sont là. Cruello et Cruella. Cruello et Cruella n'ont rien qui les unit ou qui les relie, à part leur méchanceté intrinsèque et leur mauvaiseté. Ils sont malveillants jusqu'au bout des ongles, jusqu'au bout des cheveux. Et aujourd'hui, on va essayer de les tuer chacun d'une façon différente. L'un sera... par les poules, l'autre par un lapin. Alors, pour ce faire, ils ont emménagé dans cette petite maison qui se situe du coup à côté de la cascade que vous pouvez voir. C'est dans le quartier de la forêt de Bramblewood. Donc, notre mission, ce sera tout simplement d'entrer en conflit le plus souvent possible avec des poules et des coqs. Et également trouver un lapin et être absolument odieux avec celui-ci. Je me suis dit que ça pourrait être rigolo que lui meure avec leur poupoule et leur coq. Sachez que vous pouvez faire des interactions, voilà. Donc on va peut-être les nourrir avant parce qu'on est sympa quand même, hein. On va pas les laisser crever de faim, ces pauvres bêtes. On veut mourir par leur faute, mais en même temps on veut quand même pas que eux meurent, vous voyez ce que je veux dire? Et il va s'en prendre au coq. Interaction sociale, réprimande à propos de l'inactivité. Effrayé coq brun. Peut-être que ça va en résulter une petite baston, je ne sais pas encore. J'ai pas l'impression que ça ait marché, tu vas aller l'effrayer et lui réprimander. Ouais, il a pas l'air content. Oh la vache, le bon. Oh, pauvre petit cocounet. T'es trop mignon, petit cocounet. Tu vas le réprimander également et tu vas aller l'effrayer un peu. Voilà, comme ça on va pas avoir une bonne idée... Allez, regardez, on peut bien s'entendre avec les animaux comme on peut ne pas s'entendre avec. Ça dépend. Oh la vache. Les bons qu'ils font, ça me fait trop rire. Et on va essayer de se fighter avec une poule. Oh, un lapin. Il y a un lapin. Il y a un lapin. Cruella, viens ici, il y a un lapin. Sois méchante avec le lapin. Interaction sociale. Effrayer le lapin. Interaction sociale laisse entendre que le côté adorable est surfait. C'est vrai, je suis d'accord. Les lapins, en plus, c'est pas adorable. Je plaisante, hein. Alors... Oh non! Pauvre petit lapin-pain! Oh, le pauvre biquet! Oh, regardez comment il s'enfuit, petit cœur! Oh non! Il est trop chou! Vas-y, tu vas continuer à l'effrayer. Ah, ça peut être trop drôle qu'elle se fasse tuer par un lapin. Oh, petit cœur! Non, il est trop mignon! Oh non! Et elle, en plus, elle rigole. Méchante, va. Oula, 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 oula! Pendant ce temps-là, on a un vilain renard qui rôde dans les parages. Est-ce que tu peux le chasser? Ah, mais il y a un autre lapin qui est là. Tu vas pouvoir aller l'effrayer et être méchante avec. Si on est méchant avec tous les animaux, il y a peut-être moyen qu'après, ils se vengent. Tiens, toi, tu vas effrayer le coq blanc. Et tu lui dire que réprimander à propos de la reproduction, là. Voilà. Voilà, ça c'est fait. J'aime trop comment le petit poupoulet il court après. Pauvre bichette. Oh, on va te sermonner, on va encore t'effrayer. On va les faire crever de peur, ces pauvres bêtes. C'est ça qui me fait un peu mal au cœur, hein, mais bon. Qu'ils sont méchants, ces gens-là. Ils sont méchants. Ah là là. Vous avez vu comment il a commencé à s'énerver, le petit? Il a commencé à s'énerver là. Énorme. Vas-y, effraye-le encore une fois. Peut-être qu'après il va appeler ses potes et qu'ils vont tous venir cette nuit te manger les pieds, Cruella. Pauvre petit lapin.
On va le laisser partir. En tout cas, il t'aime pas. Hein. Je pense que la jauge elle est pas mal quand même. Hein. Bon, là, on est en train de travailler la non-relation de Cruello avec les foules et les coqs. Ils arrêtent pas de taper des bonds, donc il y en a un qui a peur. Ça me fait tellement marrer. Alors que Cruella, elle, eh ben, elle va s'attaquer un peu aux oiseaux. Voilà. Ah, elle a fait peur aux oiseaux. Maintenant, il y en a plus. C'est pour ça qu'elle peut pas continuer. Il y a un terrier ici. Bon, il n'est pas à côté, mais puis il dort en plus. Mais tu vas venir essayer de les réveiller. Oh, j'avais oublié. Le gars, la maisonnette et le gardien des créatures. Ah, essaye de réveiller les lapins. Spam-les un petit peu. Il y en a bien qui finira pas se réveiller si tu les embêtes un peu, là. Allez, venez, j'ai des carottes fraîches. Oh, il y en a un qui est sorti. Oh, ce petit bichon qu'elle aime pas en plus. Enfin, qui ne l'aime pas. Enfin, le petit bichon qui... se moquer de ses oreilles de lapin. Oh, petit biquet. Regardez, tu l'as réveillé, il est tout penaud, là. Oh là là, tout ça pour lui faire ça. T'es vraiment méchante, Cruella. Ah bah, niveau 2 de la malice, tu m'étonnes. Bah, et si tu essayes encore de le faire sortir, est-ce que ça va marcher ou pas? La stalkeuse, elle va jusqu'à son terrier pour pouvoir le faire sortir, quoi. Alors, il est l'heure pour Cruella de pouvoir réeffrayer les oiseaux encore une fois. Si, si, c'est quand même parti. Ok, bon. Pour les oiseaux, je pense pas qu'ils puissent faire quelque chose. C'est pas bien grave. Du coup, on en profite, on va aller voir l'escargot Sophie. Ah, d'accord. Ah, c'est vrai qu'il est gros, l'escargot, en fait. Qu'est-ce qu'elle va y trouver dans les fougères? Cruella a trouvé quelque chose. Elle devrait peut-être se cacher quelque chose en échange pour le prochain sim. Il faut faire perdurer les traditions de Finchwick. Qu'est-ce que t'as trouvé, ma cocotte? Ah bah oui, deux fruits du dragon. C'est incroyable, comment on fait? On fait comment? Ah, cacher un objet. On va y remettre un fruit du dragon quand même. Ah bah dis donc, c'est sympa nous faire des offrandes comme ça là. C'est pas mal. Et on a donc la possibilité de faire un selfie avec Sophie. Bon bah, ce pauvre animal ne sera pas entier, mais c'est pas bien grave. On va faire des photos. Finalement, c'est en revenant à la maison que l'on retrouve le petit lapin qui n'est vraiment pas sans pattes, mais en même temps, elle fait rien pour améliorer les relations. Elle est agresseuse, ce pauvre petit, encore une fois. Bon sang! Bon sang! Bon sang de bonsoir! Cette fois-ci, je crois que... on arrive sur quelque chose. J'ai pris... Ah, je suis obligée de m'arrêter et de prendre un screen, là. Oh, la vache! Le petit lapin, il va pas se laisser faire, attention. Parce que... Bah oui. Ah ouais. Et pourtant, il a l'air si inoffensif comme ça, avec ses grands yeux effrayés. Et elle, eh ben, elle se rend compte que... Oupsie, elle a été trop loin sur ce coup-ci. Ah là 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 là. Est-ce que vous pensez que c'est maintenant qu'il va lui casser la tronche et qu'il va la tuer? On va le savoir tout de suite. C'est parti, on est prêt, j'appuie sur play. Ah ouais! Il lui a cassé la tronche, quoi! Oh, regardez! Il joue avec ses poings! Alors, elle n'a pas été tuée, mais c'est visiblement fait. Attention au lapin. Raison se fait attaquer par un lapin. Provoquer un animal sauvage n'était peut-être pas une si bonne idée finalement. Ne sous-estimez jamais un lapin. Non, jamais. C'est énorme la baston. J'adore. Tu vas encore te moquer de lui et l'effrayer. On va voir si eh ben, ça va lui réveiller d'autres envies meurtrières cette fois-ci. En tout cas, il s'aime vraiment pas quoi. C'est vraiment pas pote du tout. Ah, deuxième baston, les enfants. Oh. Ah, mais le lapin, il se laisse tellement pas faire. C'est génial. Tu lui fais peur en faisant la poule. C'est ridicule. Ah, la vache. C'est excellent.
Oh non, mon petit cœur! Bon, il s'en va. Est-ce que je tente encore? Oui, on va encore tenter de l'effrayer. Alors que moi, je me fais agresser par un petit chaton. Attention! Et c'est parti pour une troisième baston! Elle essaye de s'échapper, mais non! Oh punaise! Oh punaise, j'ai réussi! Elle a tué! Oh, hélas! Cruella d'enfer a provoqué la colère d'un lapin tueur féroce et désormais c'est la mort qui l'attend! Quel destin cruel! Oh yes! J'ai jamais réussi à tuer quelqu'un de un Sims quand j'en ai eu vraiment envie de tuer pour le tester, surtout avec des nouveaux kits, des nouveaux packs. Je n'ai jamais réussi. Oh, oh oui, ça c'est cool! Elle est morte! Ah bah ça aurait été... Voilà, alors toi s'il te plaît, maintenant ton tour c'est d'aller provoquer les coqs et les poules, et c'est maintenant mon petit. Pendant que Cruello est en train d'encore embêter les poules et les coqs, la faucheuse emmène l'âme de cette Cruella d'enfer. Horrible personnage. Comme quoi il faut pas trop embêter les lapins, les enfants. Ah 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 ah! Ça y est! Une première baston! Pour Cruello! Avec le coq blanc! Ah, et puis il est malheureux, puis il a très faim. Vas-y, donne-leur à bouffer quand même. Je serais triste de les voir mourir. Parce que là, j'ai compris qu'il fallait vraiment insister avec une ou un des poules ou des coqs, en fait, ou un lapin, par exemple. Vraiment insister pour provoquer la mort. Donc, je pense que le coq blond, il est pas mal avec le coq noir. Ouais, écoutez, on va continuer les interactions entre coq blanc et coq noir et on verra bien lequel des deux tuera Cruello. Il est hébété plus 1. Quand les volailles attaquent, raison, survie et de justesse à une attaque de volaille. Pouah ! Cruello a l'impression d'avoir été réduit en bouillie pendant ce combat avec une volaille qui vient de se terminer. Allez, ton ami le coq noir est dispo, tu vas pouvoir aller l'embêter ainsi que l'effrayer. Pauvre coq, c'est horrible de leur faire ça, j'aime pas, mais je trouve ça fun de tester les morts en fait. Voilà, comme ça c'est beaucoup plus drôle. C'est les Sims qui meurent et les animaux prennent leur revanche et ça aussi c'est cool. Alors qu'il y a un renard qui guette, il voit le manège et dit mais qu'est-ce qui se passe ici? Il essaie de les faire mourir avant que je les chope. Oh là là, non, 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 tu vas le chasser, Cerise, tant pis si tu pleures. Non, parce que je voudrais pas qu'elle chope à de nos coqs, avec qui on s'entend pas bien, hein, ce serait dommage. Voilà, il s'en va. Le coq noir, c'est vraiment celui, je pense, qui a, avec qui il a le moins d'atomes crochus, hein, avec qui, c'est vraiment, ce sera plus facile, je pense, de se faire tuer. Il va lui picorer les yeux, le petit coq noir, là. Oh là là, vos petits coqs. Antipathie. Pour l'instant, ça va pas plus loin que l'antipathie. Allez, le coq! Allez, mon petit cocon! Fais-lui du mal! Arrache-lui les yeux de ses orbites malfaisants! Oh là 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 là! Pauvre bête! Oh! Ça y est! Deuxième baston! Deuxième baston! Donc logiquement, la troisième sera la fatale. J'ai hâte de voir ça. Allez, c'est le matin. On va quand même donner à manger à nos petites volailles. Nous, on peut tuer ce Cruello méchant. Mais attention à pas tuer les poules quand même. On prend soin de ces bestioles. Allez, c'est maintenant Cruello. C'est horrible. C'est horrible de s'attaquer comme ça à un pauvre coq. Oh! Ça y est! Ça y est! C'est l'heure de sa mort! Ah non? Pas encore? Par contre, ça y est, ils sont définitivement ou quasiment des ennemis jurés, quoi. Non, vous ne rêvez pas, nous ne sommes plus le même jour, mais nous sommes toujours avec Cruello d'enfer, que je vais encore une fois essayer de faire mourir à cause du poulet
enfin du coq, si vous voulez, le coq qu'il déteste, parce que j'ai découvert un petit peu, un petit truc, un petit glitch qui me permet d'avoir des friandises de minuit. Je vais vous montrer ça, les friandises de minuit, apparemment sur les volailles ça a un sale effet. Et la friandise de minuit, apparemment elle doit être assez ouf, parce que les animaux qui mangent cette friandise produisent du lait noir obsidienne et de la laine noire, ça on l'avait vu avec le lama. Par contre, pour ce qui est des volailles, prenez garde. Donc je pense qu'il faut donner de la friandise de minuit à ce cher coq. Et puis l'asticoter encore un petit peu. Bon alors, je lui redonne à manger. Il a l'air content. En fait, il est rassasié, c'est ça le truc. Ah zut. Bon, bah, ouais, laissez les friandises comme ça et on verra bien s'il y en a un de tout l'eau qui va les manger. Ah, ah, ça y est, ça y est, ça y est. Il va manger. Oui, il va manger, enfin les friandises de minuit. Parce que là, il n'y a personne qui a touché, il y a un renard qui se balade. Attention. Bon, pour l'instant, ça donne rien. On va attendre. Parce que là, bon, on lui fait un beau petit cadeau quand même. On lui donne l'occasion. Incroyable, c'est incroyable, j'adore. Oh, il est magnifique en plus. Oh, les yeux qui ont des flammes. Oh, il est incroyable. Oh, il est superbe. Oh, dis donc, je vais avoir que ça, moi. Ah, moi, je vous le dis, hein. Je vais mettre que des poulets de l'enfer. Oh, il est incroyable. Et du coup, là, si tu l'asticotes, tu meurs. Effraie-le un peu, ça fait longtemps, tiens. T'as été trop sympa avec lui dernièrement. Peut-être que c'est ça le glitch pour pouvoir mourir d'une bagarre avec un coq. Oula! 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 Oh non, c'est un renard, je crois! Oh, le renard, il a voulu bouffer ma poule! Il s'est fait tâter! Il est fantôme, le renard! Bon, voilà, on n'a pas fini, hein, parce que... Toujours... Si, si, ça y est, ça y est, ça y est! Ça y est! Ça y est! Ça y est! La baston! Oui, oui, oui! Non! Non! Il n'est toujours pas mort! J'en peux plus! Il est juste hébété quand les volailles attaquent! Pouah, Cruello a l'impression d'avoir été réduit en bouillie pendant ce combat avec une volaille qui vient de se terminer! Mais non! Mais moi je veux que tu meurs, mon coco! Faut que tu chasses le fantôme, par contre, hein. Oui. Acte 2, poulet maléfique. Oui, oui, oui. Regardez-moi cette pose. Le poulet de l'enfer qui va attaquer. Ah, j'aimerais pas être à sa place, Cruello. Et j'espère vraiment que tu vas y penser, mon petit, parce que franchement, depuis plusieurs fois que tu l'asticotes, ce pauvre poulet, je veux que tu meures maintenant. Je vais prendre la meilleure place possible et je croise très très fort les doigts pour que ça y est, cette fois-ci, ne s'en sorte pas. C'est parti. Eh ben non. Non! Il s'est battu et il a gagné, mais ça n'en finira jamais. A survécu à l'attaque d'une volaille, réussi à survivre à une attaque de volaille. Cruello a survécu à un combat contre une volaille et peut désormais raconter fièrement cette expérience. Prends ça, la volaille. Même en été en maléfique, le poulet n'arrive pas à le tuer, quoi. Et une fois de plus, un petit combat contre le poulet maléfique. J'ai réussi à le tuer. Oh my god. Donc on est d'accord qu'il fallait 3 combats contre le lapin. Et là il faudra 3 combats contre le poulet maléfique. Et pas juste le poulet tout court. En tout cas le coq, pardon, excusez-moi. Ah, j'ai réussi, il est mort. Ah, je suis trop contente.
Oui, je suis contente de tuer mes Sims, c'est comme ça, c'est un accomplissement. Parce que la plupart du temps, quand j'essaye de faire une vidéo des morts, ça ne marche pas. Je suis encore plus contente que ça ait réussi. Et adieu Cruella, adieu Cruello, les animaux ouvrent leur vengeance. Et ça, c'est bien fait pour vous. Allez, faucheuse, emmène cette âme immonde avec toi, qu'elle ne revienne jamais, qu'elle laisse ses pauvres poulets, ses poules, ses lapins, ses oiseaux tranquilles. Les Cruello et Cruella d'enfer sont partis dans un autre monde, et j'espère qu'ils souffriront autant qu'ils ont fait souffrir ces animaux. La partie est terminée. Je suis ravie. C'était exactement ce que je voulais. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai quand même réussi à tuer mes deux personnages comme je le voulais. Donc le lapin et le poulet. Evil poulet, le Evil Cock, hein, bien sûr. Donc en version noire avec les yeux en flammes, sinon ça ne marche pas. 3 combats pour chaque. Et là, vous aurez bah, tout simplement une mort. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à commenter, à liker et à partager cette vidéo et ma chaîne. C'est le meilleur des soutiens que vous pouvez m'apporter, en plus du fait que grâce à vous, j'ai pu tester via la campagne en Early Access. Merci énormément à vous, merci à EA. Et puis on se retrouve sur une autre vidéo. Des très gros bisous, ciao ciao.